Bonsoir de Lénine Garcia. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'œil de sable. Comment vous appelez? Merci, Billy. Pas Billy? Billy, oui. D'accord, enchanté. Écoute, c'est quoi? Tu restes avec nous, on va juste écouter l'histoire en fait du grand guitariste, chanteur, etc. Lénine Garcia, le grand Lénine Garcia. Il va nous raconter juste l'histoire du morceau Laissez-moi tranquille, d'accord? D'accord. Vas-y Lénine, raconte-nous cette histoire. Ben, l'histoire elle est toute simple, c'est 700 ans d'histoire des gens du voyage. Alors on connaît un petit peu la vie des gens du voyage. Pourquoi des gens du voyage? Est-ce que tu connais des gens du voyage? Oui, j'en fais partie. Voilà, parce que voilà. C'est des chances pour la France. Oui, et puis ça fait 700 ans qu'on nous laisse pas tranquille. C'est pour ça que j'ai écrit ça, quoi. C'est un petit comment je pourrais dire, moi, un petit coup de cœur. Laissez-nous un peu tranquille, quoi. Ouais. Mais on avait déjà cette conversation, tu te rappelles, chez moi, il y a 10 ans, quoi, dans mon appart, tu te rappelles ou non, il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. On avait cette conversation-là. C'est pour ça que j'ai écrit ça, quoi. J'ai voulu mettre en avant un petit peu mes racines et un petit peu nos coups de cœur. Ouais. Mais enfin, c'est un coup de cœur général, en fin de compte, parce que ça englobe tous ceux qui font partie des gens du voyage, quoi. Ouais. Ils souffrent encore à ce jour, énormément. Ah, énormément, parce que... Dans un monde moderne comme ça, aujourd'hui, il n'y a rien qui a changé pour nous. Mais c'est terrible. Donc, toi, honnêtement, tu vois pas d'évolution du tout. On est en 2015 et tu n'as pas vu d'évolution. Non, je vois pas d'évolution parce que les gens ont tendance à tenir toujours les mêmes propos. Et c'est quoi ces fameux propos? Il y a des propos qui datent de 700 ans, valeur de poule. Valeur de poule. Hein. Mais les poules, on les vole plus, on va les chercher à Auchan. Voilà. Comme ça, c'est clair. Voilà. C'est pour ça que ça nous poursuit. Voleurs d'enfants, des enfants, on en a trop. On peut en donner. Et bah, ça nous poursuit, quoi. Mais c'est des vieilles légendes, quoi. C'est dommage, hein. Ouais, c'est hyper démodé, quoi. Ouais. Moi, je peux vous dire, quoi, moi, honnêtement, j'ai pas un regard négatif là-dessus. Je sais pas si tu te rappelles, quand tu étais venu chez moi, et je crois que j'ai rien à boire ou quoi que ce soit, je t'ai dit, attends, tu te rappelles, je sais pas si tu t'en souviens, je t'avais laissé chez moi, je dis, attends, je vais à l'épicerie à côté, tu vois, tu te rappelles, je remonte après, hein, chez moi. Mais pourquoi être dans le négatif comme ça, avoir un regard négatif, toujours critiquer les gens, mais putain de merde, excusez-moi d'être grossière, mais nous sommes en 2015, il faut arrêter quand même d'être comme ça, quoi. La problématique qui se pose, parce que moi je l'ai vécu en tant que musicien, en tant qu'artiste, c'est que j'ai une petite anecdote. Bon, les gens du voyage, ils voyagent, et puis on était avec des caravanes, et puis il était presque minuit, il fallait s'arrêter, il fallait trouver un endroit. Et le problème, c'est qu'on est tombé sur un maire, donc je citerai pas le nom. Et il n'y avait rien à faire, il y avait la police qui était là, et puis il voulait, monsieur, laissez-nous une petite semaine, vous voyez, les enfants n'ont pas mangé, il faut qu'on puisse, on va s'arrêter quand même, laissez-nous une petite semaine. Puis c'était de discussion, 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 discussion. Et puis, moi, à la maison, depuis des années, j'ai un book, où je suis avec... Mon book, c'est au moins 40, entre 40 et 50 artistes. C'est-à-dire Aznavour, Aline Renaud, Thomas Dutronc, puis etc. Plein. Ah ben oui, parce qu'il collabore avec ces personnes-là. Il faut le savoir, voilà. Et là, c'est la surprise. Le problème, c'est aussi que maintenant, ils prennent des... Vous savez, ils constituent des dossiers sur les gens. Par exemple, les gens du voyage, il y a la police ou la préfecture, elles constituent des dossiers, des clés USB, des informations qui se remplissent comme ça de plus en plus, quoi. Oui, et pour finir mon histoire, je montre mon book au maire. Et comme il voit tous les artistes que je suis avec tous les artistes, mais ça change tout. Maintenant, il voulait me laisser. Il voulait on pouvait stationner parce qu'il m'a élevé avec les artistes. Il dit, mais vous pouvez même jouer à la mairie. Et 10 minutes avant, il voulait rien entendre, quoi. Alors, je pense que... Comment on représente un artiste où on a une certaine notoriété, ça ouvre les portes. Les portes. Qu'on n'a pas le même privilège que d'autres gens du voyage, parce que comme ils discutent,
si on connaît ni d'Adam ni d'Ève, ben ça marche pas, quoi. Ah bah oui, mais moi la question que je voulais poser justement au guitariste qui est invité, c'est que je crois que je vous avais vu il y a quelques années quand vous étiez passé dans dans On n'est pas couché avec Laurent Ruquier, et que justement je crois que quand vous étiez dans le fauteuil, à l'époque c'était encore Zygmunt Reinholo, et justement il y a Ruquier qui a fait croire qu'il avait enlevé sa capote en béton, et c'était bon, ça va. Pardon. Est-ce que vous en pensez justement d'enlever comme ça? Ah bah, j'en pense rien du tout, quoi. Franchement, je pense en rien du tout de ça. Ouais, quelquefois, il faut pas donner son avis comme ça. C'est lourd de quoi. C'est les artistes, voilà, ils sont là parce que pour promouvoir leur album, pour en même temps les faire découvrir et les redécouvrir, pour raconter leur propre histoire. Après, pour parler des uns et des autres, pourquoi de faire du tralala, de parler sur les uns sur les autres? Mais non, c'est pas la mentalité des artistes. Quand il était face à Ruquier, enfin, vous savez, dans l'émission, quoi, et que Ruquier a enlevé ça. Mais qui c'est qui était chez Ruquier? C'est toi, apparemment, Lénine. Mais c'était pas une garçon qui était... J'ai jamais mis les pieds chez Ruquier. Non, tu aurais dû dire Drucker, peut-être, non? Drucker, ouais. Ouais, Drucker, mais c'était pas Ruquier. Ah, d'accord, mais je suis peut-être confondu, alors. Ouais, peut-être. Ouais. Voilà. Bon, et ben pour la peine, j'avais passé, allez, pour la peine, une petite jeune femme, allez, on met un petit morceau comme...